Sur les membres du bureau du contentieux électoral départemental, au nom de la patrie commune, je vous salue et vous remercie de l'opportunité de me recevoir en cette enceinte au lieu de la justice électorale de mon pays. Je viens devant vous, en toute humilité, réclamer justice pour les torts à moi causés par le centre de tabulation du CEP, dont les erreurs ont faussé les résultats du premier tour. Je viens ici devant vous, confiant et serein, réclamer justice pour des milliers de votants qui ont exercé leurs devoirs citoyens, mais de leurs précieux votes n'ont malheureusement pas été pris en compte, pour des raisons que feront valoir mon avocat dans sa plaidoirie du jour. Honorable juge, je viens là pour réclamer justice parce que je crois dans le pays. Je viens là pour réclamer justice parce que je crois dans le système judiciaire. Je viens là pour réclamer justice parce que je pense que le BCEDA pas un passe pour qui. C'est ma foi dans mon pays et les institutions républicaines et mon sens du bien public qui m'ont d'ailleurs poussé à emprunter le chemin de la politique. Comme vous, monsieur le président, comme vous, monsieur le membre du bureau du contentieux électoral départemental, j'ai opté pour le service public afin de participer à l'édification d'une société démocratique et moderne. Ce défi, vous conviendrez avec moi, commence par la réalisation d'élections libres où chaque vote compte. Je viens réclamer justice, honorable magistrat, parce que je dispose de tout procès verbal, de tout bureau de vote, de toute centre de vote qui vient de Pétionville. Et là, je dis toute centre de vote là, mais là, et nous menerons pour nous la guerre de délibérer. Je parle de 77 procès verbal, École nationale de Pétionville. Je parle de 33 procès verbal, École protestant Wallace. Je parle de 33 procès verbal, École François Xavier. Je parle de 49 procès verbal, École méthodiste de frère. Je parle de 37 procès verbal, École Dominique Savio. Je parle de 27 procès verbal, École Saint-Vincent-Paul. Je parle de 18 procès verbal, École Alfred Vieux. Je parle de 37 procès verbal, École Guatemala. Je parle de 6 procès verbal, Centre-ville de Géry. Je parle de 31 procès verbal, École Cadre Évangélique. Je parle de 12 procès verbal, École Nationale Soissons. Je parle de 17 procès verbal, École Méthodiste du Plan. Je parle de 28 procès verbal, École Nationale de Frères. Je parle de 1 procès verbal, Église Love Child. Mais au cadet, vous au cadet, vous avez dit, vous avez dit, honorable magistrat. Je parle de 7 procès verbal, Mélie Pétionville. Je parle de 17 procès verbal, Église conservatrice Lamotte. Je parle de 6 procès verbal, OAVCT. Je parle de 10 procès verbal, Lycée Benoît Batraville. Je parle de 23 procès verbal, École nationale Peigné. Je parle de 28 procès verbal, École nationale République Cuba. Je parle de 10 procès verbal, Lycée national Benoît Batraville. Je parle de 10 procès verbal, Immaculée Conception de Montagnois. Je parle de 3 procès verbal, Bureau postal Centre-ville. Je parle de 7 procès verbal, Église Natafoutete. Je parle de 26 procès verbal, Église conservatrice, le troisième état du jour. Et finalement, honorable magistrat, je parle de 3 procès verbal, 35, excusez-moi, dans l'école FIC. Honorable magistrat, cette femme là, c'est parce que nous raisonnons quand même. Cette femme là, c'est comme une preuve pour montrer une élection au premier tour. Cette femme là, c'est que la presse nationale et internationale, c'est que l'observateur national et international constate et joue les ténèbres d'Aouka, que Pétionville est un peu grand monde, que votre candidat est le Dieu et à Dieu. Mais venez là, pour venir demander justice pour vous. Justice pour Périsse 6e cadet, 4e Bellevue la montagne. Justice pour nous, le 2e 8, le Flipot, le Bobet, le Petitville, le Lefoulas, le Calbas. Justice pour nous, Pétionville, qui te vote au changement, le Fdaou. Honorable magistrat, si les incidents malheureux ont perturbé les élections dans de nombreuses régions du pays, cela n'a pas été le cas à Pétionville. Le scrutin s'est déroulé dans l'ordre de la plus grande sérénité. Ce jour-là, Pétionville a parlé d'une seule voix. Permettez-moi, honorable magistrat, que j'utilise ce jeu de mots et passez-moi donc l'expression. C'est l'économie 30%, il y a un monde qui vient de l'année 7%. Nous contestons le résultat, ça. Ça, ce qu'on fait plus. Et avec un bon parler, et nous allons produire une documentation qui vous prouve ça, honorable magistrat. On a de la justice, de l'équité et du respect de votre.
représentants de tous les citoyens, quel que soit le niveau, quel que soit la couleur, quel que soit la sortie, nous devons respecter. Cette victoire, honorable magistrat, de par son éclat et sa dimension, de même des responsabilités énormes. La première, c'est d'abord celle de défendre les droits de celles et ceux qui m'ont fait confiance. Honorable magistrat, monsieur le président, monsieur les membres du bureau du contentieux départemental de l'Ouest, vous vivez peut-être à Pétionville, vous habitez à Pétionville, vous travaillez à Pétionville, vous siégez à Pétionville. Vous avez vu ce jour-là, comme des milliers de gouttes d'eau qui se redescendent pour former un fleuve. Eh bien, les citoyens de Pétionville ont dirigé leurs bras, leurs voix, leurs votes et leurs espoirs. Pas qu'à quitter tomber, honorable magistrat, avec tout le respect que j'ai pour vous, les Pétionvillais, les citoyens de mon pays, sur tous les départements. Honorable magistrat, c'est pour ça que nous devant nous. Nous sommes là pour nous défendre bien qui est précieux à l'ICVR, parce que pile les ancêtres nous, en pile les martyrs, les combattants de la liberté, nous, pour qui ça? Pour nous gagner démocratie. Pour que ça nous gagne démocratie, parce que nous sommes le pays. Si nous gagnons démocratie, nous-mêmes, faites pour nous respecter votre chaque monde. Donc, que pourrait se demander pourquoi une telle démarche, honorable magistrat? Alors qu'après tout, l'avance que j'ai sur mon plus prochain candidat augure d'une victoire facile au deuxième tour. Non, président. Non, honorable magistrat. Le principe, un vote, une voix. Le principe, une voix, une femme, est sacré. Et nous devons nous respecter en Haïti. Mais ça nous dit. Nous dit que l'avocat nous va présenter. On expose qui clair. Côté de notre honorable magistrat, nous allons camper position, nous allons camper défense, nous, sous quatre argumentaires solides. Nous allons prêter là-dedans, c'est lui qui parle de taille. Ce que nous permettons dans l'espace d'une minute de vous faire un petit exposé bref de ce que c'est. Un, c'est à lui-même reconnaître vos bons procédés qui va rentrer dans cette tabulation. Et bien nous-mêmes, président, procédés dans ça, devant la nation, devant le monde, devant les Pétionvillois, devant les Haïtiens, devant les Haïtiennes, nous sommes montrés. Toutes là, il y a versé au délibéré. Nous avons confiance que dans votre justice, nous avons confiance que votre sens de l'équité, vous allez les prendre tous en considération. Deuxième bataille, président. T'es bon, bon, et calcul. Sous les calculs de votre nom. Président, je ne suis pas là pour me faire leçon mathématique par personne. Même faut-il exercice bien simple. Même pour ce seul de vote, on aura le juge. Il y a des 40 personnes qui votent dans le vote là. Et qui ont ces 42 votés, on perd du voix. Parce qu'on a tout bureau de vote, tout centre de vote qui est dans Pétionville. Pour qui ça, président? On prend exemple, lycée national de Pétionville. On fait 19 fois. On fait 19 fois. Mon bureau, côté, il y a 42 personnes, alors que c'est 40 personnes. Il y a 40 personnes, il fait 47,5%. Il y a 42 personnes, il fait 47,3%. Et le président, le bureau, ça a seulement, il a perdu 2,27%. Il a fait extrapolation sur 26 centres de vote qui ont été survivants. 6,48 bureaux de vote. Il a perdu plus que 3% de bureaux de vote. Toutes ces votes perpétuelles qui est passé en papier. Honorable magistrat, honorable juge, membre du bureau du contentieux départemental de l'Ouest, je le fie à votre sagacité, je le fie à votre sens de la justice pour réparer les torts causés aux pétionvillois et aux pétionvilloises. On va empirer, on ne pas oublier, et on profite de rappeler, vous signez des bagailles, on va me mettre là-dedans. L'MDE, il y a un bon nombre. Il y a même militant, il y a même baptisant, il y a sorti l'espinasse, il y a sorti calbasse, il y a sorti cafouteté. Malheureusement, il y a fait 4 de l'as. Il y a marché 3 hectares pour aller voter. Il y a fait une tonne de centre de vote. Il y a fait 3 hectares pour aller à Caillou. Mais après-midi, il y a fait mon procès de bazar. Comment comprendre, président, qu'un responsable du vote devrait être informatu, ou bien passer un chiffre mal, et puis passer en papier tout vote ça. Pourquoi ça le fait, président? Il fait ça. Il tue un bon candidat. Il tue un monde de l'espinasse calbasse. Et comme ça le fait, président, il assassine la démocratie. Donc, président, je ne vais pas quitter Paris, ça va passer comme ça pour me donner une main de justice et une main de rêve de guerre pour le pays, pour notre pays, pour notre pays. Je vais continuer, président, et je vais conclure pour me dire bon bagage, je ne vais pas même contester, président. Je dis que 1500 bulletins qui ont été de côté parce qu'ils ont été mal marqués. Et comme nous, même avons élection et la main, je suis sûr que 90% de bulletins, c'est pour moi. Bon, je ne dis pas contester ça. On mette sous ça, on mette sous procès verbal, on mette nous, rendre justice, sous base évidence, sous base dossier, sous base procès verbal, sous base bagaille sérieux, réel, palpable, concret, que l'a déposé devant le tribunal aujourd'hui. On continue, président, pour nous dire, rendez-vous, président, l'idée de jeter le discrédit sur le CEP ou sur la machine électorale. L'exposé de mon avocat
notamment, démontrera que toute une série d'erreurs regrettables, probablement inhérentes aux difficultés administratives et logistiques, explique la tabulation erronée des résultats publiés. Mais heureusement que le système offre des recours aux candidats lésés, puisqu'existe le bureau du contentieux électoral départemental. Honorable juge, rendre justice et rétablir la vérité. Restez de malheureux que vous confiez la société, la nation et les citoyens qui vous font confiance. Je dirai en conclusion, je vais quitter cette auguste assemblée, monsieur le président, monsieur les membres du bureau, convaincu que dans votre sagesse, vous rendrez justice non pas à moi, mais à la population de Pétionville. Je n'ai aucun doute que votre verdict défendra le principe sacro-saint du respect de la liberté des Haïtiens et des Haïtiennes, de leur droit à voter et que ce vote soit respecté. Car, pour répéter Anna Arendt, l'acte de juger, ce que vous allez faire aujourd'hui, honorable magistrat, constitue l'acte de liberté par excellence. Je vous remercie de votre attention. Qui montre quel point nous progresser, ça nous plaît. Pétionville accepte, Jerry Cardieu pour député.